Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 18 novembre 2020. Bon, ben on va commencer l'émission très, très rapidement. Là, juste montrer qu'on n'a pas trop de presse. Le marché est super tranquille. Là, depuis l'ouverture ce matin, on est resté pas mal dans les mêmes conditions. Nasdaq était en baisse, on est proche de zéro. Je vous montre le graphique. On est proche de zéro. Ah, bon, OK, ça sera pas long. Je vais juste me connecter sur mon intercom ici. Pour être en contact. Et voilà, je suis sur l'intercom. Donc, on a une petite hausse sur le TSX, une petite hausse sur le SPY, un petit peu plus sur le Dow Jones. On va regarder nos nouvelles tantôt. Mais avant, je vous avais promis qu'on avait un invité spécial aujourd'hui. Donc, on va tout de suite aller le rencontrer. C'est en fait, il s'agit de M. André Larente, qui est président de Diagnose, qui est venu nous expliquer c'était quoi Diagnose. Bougez pas, je l'amène maintenant. Bonjour, M. Larente. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon. Là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on était supposé se rencontrer. Vous m'avez dit qu'il y avait des bonnes nouvelles aussi. J'ai le document sur votre compagnie aussi qu'on va parler. Je pense que je suis capable de faire ça maintenant. Non, pas quand on est de même. OK, on va pouvoir faire ça tantôt. Parlez-nous donc de c'est quoi Diagnose, qu'est-ce que ça fait, puis d'où ça vient, ça fait combien de temps que ça existe? Écoute, je vous donne des longues minutes là, pour vous, je vous laisse aller. Vous faites votre propre show, là. OK. Bien, écoute, Diagnose, c'est une compagnie qui existe depuis un petit bout de temps et on s'est spécialisé du côté de l'intelligence artificielle très, très tôt. Et aujourd'hui, on est en production avec notre première application du côté médical depuis le mois de février. Malgré qu'on est en production, mais le COVID nous a un peu ralenti. Installé. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les personnes qui sont diabétiques ou qui souffrent d'hypertension. Et on prend une photo de la rétine de l'œil et puis on est capable de voir les différentes étapes de la maladie que le diabète crée dans l'œil des patients. Et le principe ici, c'est de faire un dépistage très tôt des gens qui sont diabétiques pour pouvoir les traiter et aussi les empêcher de devenir aveugles. Donc, c'est une complication qui est très grave chez les diabétiques et aussi chez les gens qui sont hypertensifs. Donc, notre système est en production. Nos clients, nous, d'habitude, c'est les hôpitaux, les gouvernements. Et à cause du COVID, on a changé un peu de stratégie à court terme. On est parti appeler les optométristes
un peu partout là, sur la planète. Comme vous avez vu, on a signé une très grosse chaîne au Mexique. On a déjà une petite chaîne aux États-Unis. On travaille sur des chaînes ici au Québec et au Canada. Et ça va nous permettre pour nous de devenir profitable probablement autour du mois de mars qui s'en vient. Notre technologie, elle a reçu plein d'approbation de certains gouvernements. Donc, on est approuvé par la Santé Canada, par la FDA, par la Saudi FDA. Et sur l'Arabie Saoudite, vous allez avoir des bonnes nouvelles très, très bientôt. C'est déjà commencé et ça va continuer là-bas. Et la raison que le gouvernement de l'Arabie Saoudite avance bien, c'est que le COVID là-bas n'a pas une deuxième vague. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour tous les patients aussi qui sont là. Et aussi sur l'état des gouvernements, mais on pense bien que ça devrait repartir probablement au début juin, fin juin, avec les différents vaccins qui s'apprêtent à frapper le marché. Ça va aider de quoi toute la communauté médicale. Ici au Québec, on est installé au CHUM. Donc le CHUM, c'est un des plus gros hôpitaux au Québec. Et malgré ça, le CHUM, qui est un hôpital de haute technologie, les diabétiques n'ont pas le droit de se présenter aux cliniques pour leurs examens annuels ou biannuels. On s'entend que tant que le COVID ne sera pas sous contrôle, ça ne va pas repartir. Et on travaille avec le management de l'hôpital, avec le docteur Brunet, directeur général, avec le chef de l'ophtalmologie, docteur Lahoud, et aussi la chef d'endocrinologie, docteur Boucher. Et on suit la situation de jour en jour, voir quand est-ce que ça va repartir. Mais nous, on est prêts à repartir. Bien, donc, Monsieur Larente, expliquez-nous un peu, parce que moi, au départ, j'étais un petit peu confus de comprendre comment ça fonctionnait. Vous êtes une compagnie de développement de logiciels sur avec l'intelligence artificielle. Mais vous, votre système est composé d'une caméra, dans le fond, qui est installée quelque part, qui est branchée dans un ordinateur qui capte le visuel et après ça, l'envoie par Internet. Expliquez-moi comment ça marche, parce que vous ne vendez pas des caméras, vous vendez un système de logiciel. Oui, c'est ça. Nous, on n'est pas un fabricant d'équipement. On utilise des caméras qui sont standards de plusieurs manufacturiers. Et ces caméras sont installées dans des locations, dans les hôpitaux. Chez les optométristes, la plupart des optométristes ont déjà des caméras de fond d'œil. Donc, c'est très intéressant pour nous parce qu'ils ont déjà de l'équipement, ils ont déjà des techniciens qui sont capables de prendre la photo. Et donc, nous, on offre la plateforme de technologie qui reçoit toutes les images et qui renvoie les résultats. Ils ont déjà des techniciens qui sont capables de prendre la photo. Oups, en dedans de quelques minutes. Et donc, le fonctionnement est très simple. Donc, on installe une caméra dans un hôpital, dans le département d'endocrinologue. Et quand le patient vient pour son rendez-vous annuel ou biannuel, il est demandé d'aller à la caméra pour prendre une photo de sa rétine. Il se rassoit et par le temps qu'il va voir son médecin, son endocrinologue, mais nous, notre analyse a été faite et est envoyée directement à l'endocrinologue. Donc, le patient est assis en avant du médecin. Le médecin lui dit, écoute Jean, ça fait 20 ans que tu es diabétique, on vient de prendre une photo de ta rétine et tout va bien. Le cas avenant que ça ne va pas bien, donc, mettons qu'il y a une rétinopathie modérée ou sévère, il va être envoyé ou transféré au département d'ophtalmologie. En même temps, le département d'ophtalmologie va recevoir le résultat des analyses de la rétine du patient. Et donc, tout ça se fait en temps réel. Donc, quel est votre modèle d'affaires? En fait, vous, est-ce que vous allez vous mettre à contacter chacun des hôpitaux dans le monde, les centres d'ophtalmologie ou les optométristes ou les vendeurs de lunettes? Comment vous allez distribuer cette technologie-là à travers la planète? OK. Dans notre présentation, vers la fin, vous allez voir le go-to-market. Juste pour vous interrompre une petite seconde, pendant que vous nous parlez là, l'image est divisée en deux, puis on voit votre document que vous m'avez fait parvenir à droite, puis les gens peuvent le télécharger en cliquant sur la petite flèche quelque part là, dans l'image. OK. Mais donc, vers la fin, vous pouvez continuer à vous entendre pendant tout ce temps-là. Ah, OK. Bien, gars, je vais utiliser ma technologie ici, puis je vais pouvoir aller directement à la slide peut-être. Oui, je sais pas. Non, il veut pas. Ah ben oui, là, il veut.
Bon, je vais vous montrer. Donc, on parlait de réglementation, on les voit ici. Là, on est aussi une compagnie ISO, mais on a Santé Canada, FDA. Nous, on a établi qu'on a fait à peu près 400 000 patients pour obtenir les résultats qu'on voulait de notre système. Donc, ça, c'est des patients dans le champ, si vous voulez. Je vais avancer un petit peu plus loin. La technologie nous appartient. En termes de tests cliniques qu'on a fait, nous, la rétinopathie est en production aujourd'hui. Ça, c'est pour les diabétiques. Les gens qui sont hypertensifs, vers la fin de l'année, on va annoncer un nouveau produit pour suivre les patients hypertensifs. On a aussi en développement quelques autres applications, dont ce qu'on appelle le stroke, donc c'est la prédiction d'un ACV, à partir toujours de la même image que je vais vous montrer là, dans quelques secondes. Donc, d'après vous, dans votre développement, il y a différentes maladies qui vont être capables d'être détectées par cette imagerie-là. Exact. On commence avec la rétinopathie, donc ça, c'est les maladies sur la rétine. C'est généralisé, mais c'est orienté vers les diabétiques et les gens qui sont hypertensifs. La dégénération maculaire, c'est pour les gens qui sont probablement, je dirais, en moyenne 60 ans et plus. Donc, on n'a pas besoin d'être diabétique. C'est pour les gens qui sont un petit peu plus âgés. Le glaucome, la même chose. Même, on peut développer du glaucome à partir de l'âge de 40 ans aussi. Donc, ça, c'est des maladies que nous, on va pouvoir identifier assez rapidement. Mais les deux plus gros en développement aujourd'hui, c'est l'ACV et puis une attaque de cœur. Donc, nous, on pense qu'on peut prédire un ACV en analysant la rétine de l'œil. OK? Et pour répondre à ta question sur comment ça fonctionne, ben voici le diagramme où que on a un patient qui arrive, la caméra est là, il y a un technicien qui prend la photo. La photo est envoyée sur le cloud, donc sur l'Internet, et est acheminée vers nos serveurs qui sont aujourd'hui sur l'île des Sœurs à Montréal, l'île des Sœurs Verdun. Et l'analyse se fait en dedans de 4 secondes, et l'information est packagée dans un rapport et renvoyée à l'opérateur et aussi aux spécialistes, aux médecins qui sont intégrés dans notre plateforme. Tout ça, ça se fait en dedans de 15-20 secondes. C'est quand même très rapide. Dites-nous, présentement, là, j'ai mis à l'écran, attends un peu, je vais enlever le document à l'écran, puis là, on est vous et moi superposés, puis on voit le graphique de votre compagnie. Là, à cette étape-ci, on voit que cette compagnie-là existait en 2016. Vous étiez là en 2016? C'est pas eu de reverse split, rien. C'était vous autres. OK. Donc, la première vague, c'était sur votre idée, dans le fond, que ça avait décollé. Exact. Mais le graphique qui est là n'est pas le bon graphique. Parce que vu qu'on a fait un reverse split, on a réparé notre structure de capital l'année dernière. OK, c'est ça que je vous parlais. C'est pour ça que je vous dis. Donc, il y a eu un reverse split là-dessus. Donc, c'est quand que vous avez eu? En 2019. En 2019? L'année passée, oui. Ah, OK. Donc, l'histoire de 2016-2017, c'est pas vous, dans le fond. Non, c'est pas nous, ça. Parce que ce qui est arrivé, c'est quand ils font le reverse split, comme tu sais, on a fait un 10-1. Donc, ça, c'est des calculs qui ont été mal faits, là. On n'a jamais été 1,80 $, là. On était probablement autour de 18 sous. Le graphique ne représente pas la réalité. Non, c'est une consolidation. Oui, on comprend. C'est à cause de la consolidation. Par contre, donc, aujourd'hui, oui. Oui, là, aujourd'hui, à partir de 2019, là, on voit la vraie courbe, si vous voulez, là, qui est la réalité. C'est ça, exact. Donc, on voit ici, au mois d'août, on a eu deux phases là, sur votre titre. On a eu un premier cycle qui est parti de 15 cents à 30 cents, puis on a eu un deuxième cycle qui est parti d'environ 25 cents à 65 cents. Donc, moi, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que je pense pas que tout ça, c'est basé sur des résultats de vente actuels. C'est basé sur de la perspective à venir, n'est-ce pas? Ben, écoutez, depuis le mois de mars, avec la pandémie, vous voyez, il n'y avait rien. Fait que nous, on n'a pas fait beaucoup de marketing parce que nous, en février, on était prêts à aller au marché et faire le marketing de la compagnie et tout ça. On est obligé de le remettre parce que à cause du virus. Donc, moi, j'ai reparti tout ce processus-là au mois d'août. Donc, ce qu'on a fait au mois d'août, c'est qu'on a fait des présentations, on a dit aux courtiers, aux investisseurs où on était rendu et où on s'en allait parce qu'on était en production depuis le mois de février, mais on ne pouvait pas utiliser la production à cause du virus. Fait que nous, au mois d'août, on a commencé à faire le marketing de la compagnie et tout ça. Et basé sur le mérite de la technologie, aussi des prospects que nous avons dans le funnel et
aussi la livraison des services, bien, les gens ont commencé à apprécier le côté intelligence artificielle parce qu'il y a très peu de compagnies, de vraies compagnies intelligence artificielle qui sont en production. Ils sont tous en développement. Donc, nous, on a fini notre développement sur notre produit principal et on a commencé à faire le marketing de la compagnie. Donc, les deux choses s'assemblent au mois d'août. Et depuis le mois d'août, ben nous, on fait notre marketing et vous allez voir que les ententes, les contrats vont rentrer. Et nous, on pense que ça va repartir lentement, mais ça va repartir. Ou c'est déjà reparti, mais lentement. Dans le moment, votre base de clients ou le nombre de systèmes installés, ça a l'air de quoi? Bien, on a peut-être 6-7 clients installés, mais la plupart ont obligé de fermer les portes parce que les diabétiques n'ont pas le droit de retourner aux cliniques médicales. OK? Mais on voit que c'est reparti vers la fin d'août. Donc, il y a un momentum qui est reparti. Donc, on a des clients en Californie, à New York, au New Jersey. On en a dans le Golfe. On en a aussi au Mexique, mais le Mexique est encore fermé. Et ici, au Canada, on est sur le bord de signer quelques ententes canadiennes. Et comme le CHUM aussi est installé, mais le CHUM, les portes vont réouvrir un petit peu plus tard. Mais avec les clients qu'on a, on en a assez pour repartir les revenus de la compagnie. Donc, c'est comme si on était un restart-up après cette pandémie. Et les revenus vont commencer à rentrer, sont déjà commencés à rentrer. Comment sont basés les revenus et combien ça coûte à peu près pour un établissement qui décide d'avoir un système chez eux? Ben, pouvez-vous nous donner une idée de ça? Oui, nous, on a quatre manières de déployer notre service et c'est dans la présentation. Et donc, le service que nous, on aime beaucoup, c'est quand les gens ont déjà des caméras et des techniciens. Écoute, et à ce moment-là, le test coûte autour de 10 $, entre 5 et 10 $. Donc, c'est un test qui est très abordable de à peu près n'importe qui. Si nous, on est obligé de mettre une caméra, on a un service qui peut offrir la caméra aussi. Tout ce qu'on fait, on augmente le prix de la transaction. Donc, le prix par patient, si vous voulez, de quelques dollars. On peut aussi faire un environnement où, ce que, comme le CHUM n'avait pas de personnes techniques disponibles et les infirmières sont déjà pleines à capacité, on a fourni, nous, un technicien. Donc, on a fourni la plateforme, la caméra et un technicien. Et la transaction coûte plus cher, mais encore là, on augmente le prix de la transaction pour couvrir les dépenses. Et le quatrième moyen, c'est vraiment un environnement mobile où on fournit un camion avec l'équipement, un technicien, un chauffeur. Et ça fait notre transaction la plus chère qui est autour de 45 $. Dans vos objectifs à court terme, quel est votre moyen de pénétration que vous croyez qui sera le plus efficace? À travers quel média, pas média de publicité, là, mais média les docteurs, les ophtalmologues, les optométristes, c'est quoi votre plus grosse cible à court terme? Oui. Vu que nous, ça fait un bout de temps qu'on travaille avec les médecins, on parle des ophtalmologues, des rétinologues, on parle des médecins de famille, des infirmières, ça fait longtemps qu'on travaille avec ces gens-là. Ça va toujours être un marché que, aussitôt que la pandémie va être sous contrôle, ce marché-là va repartir en très grande vitesse. Parce que les patients, ça va faire 6 à peut-être un an qu'ils n'ont pas été vus, donc il va y avoir un backlog de patients énorme à faire. Donc, nous, notre technologie est encore plus importante parce qu'on fait le dépistage et on s'assure que les gens qui sont malades sont envoyés aux spécialistes, ainsi qu'ils ne le sont pas, mais ils reviennent plus tard. Donc, on vient désengorger le système médical. C'est très important. Le deuxième service, ou deuxième marché, c'est surtout les optométristes qu'on voit que les optométristes veulent aussi faire beaucoup plus du côté diabétique et aussi du côté cardio. Donc, on commence à avoir beaucoup de traction de ce côté-là, où ce que avec les chaînes d'optométrie à travers le monde. J'ai quelques questions ici, André. J'ai Steve Lapierre qui demande, est-ce que le système est bien breveté? Question 2, est-ce qu'il y a un risque que d'autres compagnies copient le logiciel? Vu que la compagnie n'a pas ses propres appareils de caméra, qui dit, mais là, je pense que la caméra n'a pas rapport, là. N'importe qui pourrait copier le logiciel. Bon, les caméras, je pense que vous pouvez utiliser bien des sortes de caméras, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la technologie elle-même, est-ce que le logiciel lui-même est breveté? Non, on n'a pas de brevet sur le logiciel. C'est extrêmement compliqué d'essayer de breveter du logiciel. La plateforme de Microsoft n'a pas de brevet.
On pourrait dire que tout le monde peut copier Microsoft, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense quand on veut essayer de faire des choses. De un, nous, notre logiciel ne peut pas être copié parce qu'on ne vend pas de logiciel. Notre logiciel est sur nos serveurs à l'île des Sœurs et on ne vend pas de logiciel. Nous, ce qu'on vend, c'est un service transactionnel. C'est tout. Donc, on ne peut pas copier notre logiciel. Je suis bien d'accord avec vous qu'un logiciel, c'est dur à breveter parce que nous-mêmes, réflexe, c'est pas le logiciel qui est breveté, c'est la recette. Exact. C'est la recette de comment on fait pour prendre quelqu'un parmi la foule qui est en différé, comme dans toutes les diffusions, et le transporter en direct sans délai, comme on se parle présentement. C'est la recette qui a été brevetée, simplement. Ça fait que... j'ai une autre question ici qui dit... est-ce que votre... André qui demande, est-ce que votre technologie remplace le test de rétine avec des gouttes utilisées présentement? Bien, les tests de rétine qui existent aujourd'hui vont toujours continuer. Avec les gouttes, ça, c'est pour la dilatation de l'œil. Donc, nous, notre service vient aider à dépister beaucoup plus de gens. Donc, ce qu'ils appellent le mass screening, donc dépistage de masse. Et c'est là que nous, on s'est spécialisé. Le patient qui est déjà suivi en ophtalmologie, qui doit être dilaté, c'est parce qu'il y a déjà probablement des maladies de fond d'œil. Nous, quand on fait du dépistage, on n'utilise pas de dilatation. OK? À peu près 10% de la population doit être dilatée parce qu'ils ont des petites pupilles, mais 90% n'ont pas besoin d'être dilatés. Parce que faut pas oublier que si on se fait dilater, bien, on doit avoir un accompagnateur avec nous pour nous ramener à la maison. C'est la loi. Vous parlez comme un docteur. Est-ce que vous avez des connaissances médicales? Non, mais ça fait quand même 7-8 ans qu'on travaille du côté ophtalmologie. Et moi, j'ai un bac en informatique, mais c'est n'importe quel apprentissage. Nous, on s'est spécialisé du côté de la rétine et on s'est auto-éduqué, si vous voulez, à comprendre comment ça fonctionne. Et on travaille tellement près avec les ophtalmologues et les rétinologues qu'ils nous ont instruits dans les derniers 7 ans. C'est comme aller faire un bac en rétinopathie. La question double qui tue, est-ce que vous avez suffisamment de cash flow et est-ce que vous prévoyez de nouveaux financements? Bon, en termes de cash, nous, on est déjà financé pour minimum 1 an. Okay? Si on n'avait aucun revenu, on est bon pour 1 an. Donc, on n'a pas de risque financier où on va chercher on a besoin d'argent demain matin. On n'a pas de financement à court terme, mais on n'est pas fermé à l'idée d'en faire un à un moment donné dans le futur. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est signer nos ententes, espérer que le COVID va ralentir un petit peu après la deuxième vague et prendre plus de vitesse en termes de revenus. Okay? Et on va voir où est-ce qu'on s'en va après ça. Mais pour le moment, on n'a pas besoin d'argent. Et on est financé pour plus qu'un an présentement. En fait, comme vous avez dit tantôt, vous êtes une start-up, une restart-up. OK, le moteur a fait des ratés, mais ce n'est pas à cause de la compagnie, c'est à cause du COVID. Vous êtes chanceux de ne pas être un restaurateur. Et puis, mais j'ai une question encore. ça va être la question la plus stupide du show, mais il faut que je la pose. Étant donné que votre affaire, ça marche avec une caméra, puis finalement, le client s'installe à l'hôpital ou ailleurs devant une machine qui est prévue pour ça, est-ce qu'il pourrait pas, ce serait pas possible de le faire de... Je présume qu'une pardon, une webcam, c'est pas conçu pour ça, ça peut pas photographier une rétine, mais éventuellement, là, votre client pourrait pas faire le test à partir de son salon. Non, ça, c'est une bonne question parce que tout le monde parle de est-ce qu'on peut utiliser notre téléphone cellulaire parce qu'il s'en vient de plus en plus. Encore, plus oui. OK? Et donc, c'est pas une question stupide. Les technologies de cellulaire aujourd'hui ne sont pas de haute résolution. Et tant que la résolution va être basse, tu pourras pas faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi le plus gros point. Nous, quand on prend une photo d'un patient, cette photo-là va s'en aller à plusieurs places, comme vous avez vu dans la plateforme de la médecine. Elle s'en va chez l'ophtalmologue ou le rétinologue. Si vous prenez pas une bonne photo, ben lui, il va être obligé de refaire une autre photo. OK? Et refaire ça, ben c'est des coûts. Ça engendre des coûts, c'est tout le temps des coûts. Donc, nous, on a décidé de prendre la photo originale avec la meilleure caméra possible, OK? Qui va servir à tout le monde dans le monde médical avec lequel nous, on deal avec. Les ophtalmologues, les rétinologues.
c'est sûr que c'est un... Bien, on parle des yeux, ça fait que c'est sûr que c'est un monde de haute définition, là. Exact. On n'a pas même un choix. Bon, écoutez, on aurait pu faire tout le show avec vous, André. C'est super intéressant. On va finir. Ah, ben, j'ai une ou deux questions encore, rapido, là. Y a-t-il des projections de chiffre d'affaires et de bénéfices pour les années à venir? Nous, on travaille là-dessus. À cause de la COVID, on a décidé de pas mentionner de chiffres pour le moment, là. Mais parce que si le COVID a une phase 3, par exemple, mais là, nous, on peut pas le voir. Là. Et avec les vaccins qui s'annoncent aujourd'hui, ça va sûrement se calmer. OK? Et nous, comme j'ai dit tantôt, là, on pense qu'on devrait être profitable autour du mois à fin mars. Donc, à la fin mars, nous, on va être profitable. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire assez de revenus pour couvrir nos dépenses. Mmh. OK? Mais de toute façon, là, on ne veut pas avoir énormément d'employés. Ben, on est 12 employés. Bon. Donc, ça nous coûte 125 000 $ par mois de dépenses, OK? Donc, si on vend plus que 125, bien là, on fait de l'argent, OK? Mm-hmm. Nos revenus ont déjà commencé à rentrer lentement, mais à cause de la pandémie, ça nous a reculé de 7-8 mois, là, toute cette affaire-là. Mais la bonne chose, c'est que nous, on avait fait un financement juste avant la pandémie, une semaine avant que tout ça. Bon timing. J'ai une autre question ici de Gigi qui dit, avez-vous besoin d'une seule photo pour faire une analyse? Ben, on prend une photo de chaque œil, donc il y a deux photos. Deux photos. Puis, une autre question de Gigi encore, comment l'intelligence artificielle fonctionne avec votre logiciel? C'est une question à un million, ça? Ben, écoute, notre logiciel, c'est une plateforme d'intelligence artificielle. Donc, dans le fond, l'intelligence artificielle, là, c'est un algorithme, donc c'est un logiciel, OK, que nous, on entraîne à faire des choses très précises. Comme dans ce cas-ci, nous, on regarde l'imagerie médicale. Donc, dans la rétine, quand on dit ça, c'est un microanévrisme ou ça, c'est un saignement, bien, nous, on est capable d'identifier dans la photo c'est où. Donc, on l'identifie physiquement dans la photo et on entraîne les algorithmes à faire la détection de saignements, de microanévrisme, d'autres types d'anomalie dans la rétine. Et ce qu'il faut pour entraîner un algorithme, c'est un minimum d'une centaine, peut-être 200 000 patients. OK? Mais dans les 200 000 patients, il faut avoir toutes les différentes variables aussi. Donc, à la fin de la journée, ça en prend 400 000 patients pour être sûr qu'on a assez de patients qui ont des microanévrismes, qui ont des cotton wool, des exudats, des microanévrismes, des saignements. On regarde aussi les vaisseaux sanguins, donc on regarde les artères, on regarde les veines, on mesure l'épaisseur des vaisseaux sanguins. Donc, on a besoin de plusieurs patients avec tous les différents types de maladies et on a besoin finalement à la fin de la journée là, de 1000 à 2000 variables identiques pour un problème. Donc, les microanévrismes, j'ai besoin de 2000 patients qui ont ça. Les cotton wool, j'en ai besoin de 2000. Une fois que ça, c'est tout analysé, bien, le logiciel est capable de reconnaître l'image qui est en avant de lui, qu'on lui présente. Bon, bien écoutez, là, on est pas mal rendu au bout de notre affaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la barre de questions 1 à 5, puis les gens vont pouvoir voter à leur avis sur les chances de succès de votre entreprise. Donc, 1, ça veut dire que les gens n'ont pas confiance. 5, ça veut dire qu'ils ont bien confiance. On va allumer ce bouton-là, puis en plus de ça, on va les regarder faire. Pendant que les gens votent. Et vous avez le droit de voter. Hein? Oui, je vous conseille de voter 5. Là. Puis là, vous allez voir, on voit rentrer le nombre de personnes et le pourcentage. Là. Donc, vous voyez, il y en a 1. Putain, un peu, c'est 3, ça, c'est des pourcents. OK. Ting, 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 ting. L'average, présentement, 4,2. Fait que c'est pas loin de 5, ça, là. Mais on approche. Je pense que tout le monde va être très content dans les prochains 60 jours avec Diagnos. Ça fait que, donc, la majorité des gens ont voté. Il y en a 2 qui ont voté 1 qui a voté 2, 17 qui ont voté 3, 28 qui ont voté 4, 43 qui ont voté 5. Donc, vous êtes dans le haut de la braquette. Félicitations, mon cher André. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre compagnie. Puis, on se reparlera là, quand il y aura des nouveaux développements. Ben oui, puis gênez-vous pas de m'appeler. D'accord, merci beaucoup, là. Bye-bye. Au revoir. OK. Je vais enlever ça. Je vais sortir le call.
Parce que moi, c'est moi qui gère tout ça, là. C'est un N-call. That's it. Puis là, je reviens avec moi-même. Bon, j'espère que vous avez aimé cette entrevue-là. On va tomber maintenant directement dans la bourse. On retourne voir nos marchés. Oups, on a eu un spike sur le Nasdaq. Pas sur Dow Jones, c'est drôlement bizarre parce qu'on a eu sur le SPY aussi. OK, je comprends pas trop c'est quoi. On va tout de suite aller voir le Q10. C'est peut-être pas tout le monde, c'est peut-être une partie. Ah, regarde, c'est Tesla. Tesla qui est en feu parce que les autres, c'est beaucoup moins prononcé. Regardez le mouvement qu'on vient d'avoir sur Nasdaq. Attendez un peu, j'ai le hors-sens. On va débarquer ça, là. Puis on va tout mettre ça en une minute, comme ça. Donc, ici, vous voyez, donc, le Nasdaq qui vient de faire un jump qu'elle a. C'est le grand responsable, c'est Tesla. Vous voyez, c'est Tesla qui vient de jumper vers 11h30, de 4,62 à 4,77. Après ça, les autres, c'est des mouvements beaucoup plus petits. C'est Tesla là, qui a parti le bal, mais regarde, pour les autres, c'est déjà estompé. De toute façon, il était assez négatif, les titres du GAFAM, qu'on appelle. D'ailleurs, il y avait des nouvelles sur Tesla là, ce matin. Tesla qui disait qu'à la suite de l'annonce de son intégration, qui va faire partie du SP500, ils disent qu'il continue sa hausse parce que Morgan Stanley fait passer son prix cible de 360 à 540. Puis là, ben, ils disent que là, ils vont se spécialiser dans la vente de logiciels et de services à forte marge. Mais ça, la nouvelle était sortie ce matin. Ben, je ne sais pas pourquoi il a clenché comme ça juste à 11 heures, là. Puis après ça, ben là, c'est la vraie joke là, sur les marchés, là. Pfizer avait sorti un résultat de 90%. Après ça, mRNA a sorti un résultat pour les vaccins de 94,5%. Après ça, Pfizer a remonté à 92%. Il y a Sputnik, les Russes, qui sont à 92% aussi. Puis là, ben Pfizer vient de décider que son test il était bon à 95% à cette heure. La guerre des résultats. Mais c'est pas un sujet qu'on devrait en rire, mais j'en riais pareil ce matin parce que je me suis dit, écoute, là, il y a peut-être 50 vaccins, 75, 80 en production. Là. Ben vite, quand tu vas aller te faire vacciner, tu vas dire, « Bon, je vous offre quoi, monsieur? J'ai un Moderna à 94% et j'ai un Pfizer à 95%. » Je vais arriver au comptoir, tu vas dire, « Je sais pas, tiens, aujourd'hui, tiens, moi, essayez un Sputnik, moi, mais j'ai jamais été shooté. » Je sais pas, là, mais c'est une vraie joke, cette affaire-là. Il n'y a jamais eu tant de compagnies qui travaillaient sur le même vaccin. Mais là, si tout le monde en a un, qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. En tout cas, c'est pas vraiment clair ce qui se passe avec Marathon, Patent, Riot, puis toutes les blockchains. Là. C'est parce que le Bitcoin a battu des records. Puis là, Marathon, il annonce qu'ils vont... ils vont mis en place 23,560 nouvelles unités de minage, là, qui sont des algorithmes de logiciels. En tout cas, le secteur est en feu, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Les autres, c'est une compagnie qui font des scanners, des lecteurs socket mobile qu'on avait, qui étaient pas pire en day trading ce matin, mais c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien de vraiment extraordinaire dans les nouvelles. Il y a eu l'OPEP hier qui se sont rencontrés, qui ont décidé de maintenir les coupeurs jusqu'en janvier 2021. Bon, mais ben, c'est après-demain, ça, janvier 2021. Puis ce serait ça. Puis c'est sur cette perspective-là que le pétrole montait aussi. Mais aussi, c'est sur les vaccins que ça a fait monter tout dernièrement. Les récréationnels ont fait un jump, les airlines ont fait un jump, le pétrole, les pétrolières aussi ont fait un jump parce que là, tout le monde pense que hey, les vaccins vont arriver, ça va repartir l'économie. Bon, on sait même pas où on est rendu dans la deuxième vague. Puis regarde, on est encore à des mois avant d'avoir de la production de masse. Fait, on comprend que le marché, il anticipe d'avance, mais ça, s'il n'y arrive pas quelque chose entre les deux. Ça fait qu'on va faire le tour de tout ça pour l'instant. Bon, comme je dis, je ne sais pas pourquoi qu'on a eu ce rebond-là. Ah oui, je sais pourquoi, c'est surtout Tesla, parce que regarde, Tesla, il n'est pas sur New York. Ça fait que New York, lui, il n'a rien fait. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui a bougé un peu sur le SPY, mais c'était pas bien gros. Le TSX, lui, a l'air à revenir à zéro. Ça fait que du côté des ressources, le pétrole est encore un petit peu en hausse aujourd'hui. Bougez pas, je vais enlever le hors-séance sur ça, là.
Donc, le pétrole est encore un peu en hausse, mais il revient où il était il y a deux jours, puis les titres ont continué à monter encore un peu. Moi, je ne démords pas de mon idée, c'est que dans les pétrolières, il y a un groupe d'à peu près 20 titres qui ont monté pendant quatre jours. C'était pas n'importe lequel, c'était bien précis l'affaire. Ils sont tous identifiés ici, d'ailleurs. Je vais changer ça. Donc, dans ma liste, là, aller jusqu'au 24e, mais moins 3, parce que c'est les indices, là. Donc, il y en a 21. Okay. Tous ces titres-là, à partir de leur support, ont jumpé pendant quatre jours. Puis tous les autres, l'autre moitié du secteur, elle n'a pas bougé pantoute, ils sont tous accrochés à leur support. Donc, à mon avis, les 24 stocks qui ont monté, ils ont fini de monter. Et puis, s'il y en a qui en ont acheté, bien, ils sont bien mieux de prendre des profits à ce prix-là. Pourquoi? Parce que, regarde, c'est pas la première journée, là. Tous ces stocks-là que je vais vous montrer, les 21 stocks, là, ils ont parti d'un support ici, puis ils ont monté pendant quatre jours. Regarde. Sont toutes pareilles du premier au dernier, OK? C'est bien clair, ça, à partir là, c'est monté quatre jours, mais ils sont tous rendus à des niveaux de résistance aussi en même temps, regarde. Puis il y en a qui sont rendus moins loin que les autres, mais les autres sont tous sur un top. Fait qu'acheter ça à ce prix-là, c'est démentiel, right? Puis là, tu vois, regarde, je vais arriver à partir du 25e. Regarde, les autres n'ont pas décollé, eux autres, de leur support. Oh, puis il y en a un qui était mêlé ici. Mais les autres n'ont pas décollé de leur support, sont encore écrasé en bas. Donc, ma prévision, c'est que là, c'est fini pour les prochains jours dans les titres qui ont monté. C'est l'heure de prendre des profits là-dessus, puis ça presse. Puis ceux qui n'ont pas décollé, bien, il faut attendre qu'ils décollent. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, ceux de côté vont continuer de côté pendant une couple de jours. Ceux qui sont montés vont plafonner pendant une couple de jours. Si on a un autre cycle à la hausse, bien, ceux qui avaient monté quatre jours vont repartir dans un autre cycle, puis ceux qui étaient sur le support vont commencer leur premier cycle. Ça, c'est tout le temps ça que ça fait. Ça fait 30 ans que je veux faire ça. Puis là, du côté de l'or, c'est pas bien beau parce que l'or est faible, elle bouge pas dans une formation bien neutre. Mais dans ce cas-là, c'est pas les titres. Dans le cas du pétrole, les titres sont beaucoup plus forts que le pétrole. On va revenir à ça tantôt. Mais l'or, regardez, elle fait rien. Mais les titres aurifères, aujourd'hui, ils ont sauté en bas de leur support. Donc, les titres aurifères sont en décrochage. Fait que là, je vous disais hier... ça sera peut-être un achat sur support pour un rebond. Mais je disais hier, là, voyons, c'est bien trop faible dans le secteur. Là. Il y avait plein de titres qui commençaient à graffiner à travers leur support. Ils disent, on va regarder une petite gêne, puis on va attendre que ça, au moins ça se stabilise, puis que ça inverse, puis que ça vire de bord. Donc, à partir d'ici, moi, ce que je voulais, c'est d'inverser ça, puis de montrer au moins qu'on va avoir un début de rebond. Mais regarde, on vient de sauter en bas de la chaise un matin, là. Ça fait que... Puis tous les titres, ils ressemblent à ça. Fait que quand on va regarder ça aujourd'hui, un peu, j'ai pas assez de données, ça va prendre en 5 minutes pour le voir. Regardez, là, ça, c'est aujourd'hui, là, des gros décrochages encore là, partout. Donc, on va avoir plusieurs titres là-dedans qui ont fait encore des nouveaux bas aujourd'hui. Là, regarde ça. Donc, ça va rebondir à un moment donné, mais la situation des aurifères, là, c'est pas encore un achat, là, c'est pas solide du tout. Du côté des mines, on a eu un certain rebond pendant quelques jours, mais là, ça boite là, depuis 2-3 jours. Là, c'est hésitant. Regarde, on est à la résistance. Ça ne veut pas passer. C'est toutes pour les mêmes raisons. Il y a eu un petit peu d'encouragement sur le marché, mais pas assez pour en faire qu'on a des nouveaux secteurs haussiers. Consommation discrétionnaire, ça fait pas mal du surplace. Le rebond d'hier, c'était dû principalement à Magna, qui est rendu à sa résistance d'ailleurs. Là, peut-être un des plus forts, comme s'il allait pour passer, mais avec son petit volume, j'ai l'impression que ça se fera pas. Mais c'est vraiment le strict minimum. Regarde, les télécoms viennent de passer en cycle baissier. Les services financiers, c'est la même affaire que les autres secteurs. La même chose qu'on a eu sur les pétrolières, qu'on a eu sur les compagnies d'airlines et les compagnies de recreational. Okay? Donc, il y en a quelques services financiers qui ont donné ces signaux-là, d'autres il y en a qui n'ont pas donné. Mais là, c'est plus le temps d'embarquer là-dedans, c'est la place pour prendre des profits. Donc ça, c'est la fin du cycle parce qu'on va arriver à des résistances partout, là. OK? Donc, il y a la Banque de Montréal qui a monté 4 jours. Il y a la Banque de Commerce qui a monté 4 jours. IAG a monté une journée, ils ne montent plus. Il y a eu aussi, ils sont tous placés en ordre parce que c'est moi qui les ai mis là. Brookfield qui a fait plusieurs jours. Fairfax, puis la TD, et ainsi de suite. Mais là, puis c'est pas tout le monde parce qu'il y en a qui, regarde, la Banque nationale ne l'a pas faite. La Banque Laurentienne a s'est décidée aujourd'hui. Donc, c'est un mouvement qui est maintenant trop avancé, puis ça n'a pas été solide, ça n'a pas été fait sur des gros volumes, mais on les a montrés quand ils ont passé.
Et du côté du secteur industriel, c'est complètement flat. Du côté de service des real estate, le petit cycle de rien, il est terminé. Les services aux collectivités, on est en correction. La santé, c'est bien bizarre ce qui se passe. On va y revenir tantôt. Là, c'est surtout le cannabis, mais je vais vous l'expliquer comment ça se passe. Là, la consommation de base aussi est en cycle baissier, s'en va vers son support. Donc, on a le secteur financier surtout, puis le secteur énergie qui ont monté pendant 4 jours. That's it, that's all. C'est là que ça s'est passé. Mais là, c'est fini. Pour quelques jours, en tout cas. Hop, attends un peu, excusez, je vous ai pas rallumé la barre de questions. Je fais une petite pause, puis je vous reviens après avec des réponses aux questions. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question. Bon, je m'excuse, j'ai pesé sur le mauvais piton, je l'ai flushé. On me demande de faire le tour du secteur cannabis. Je vous fais ça immédiatement. Donc, première des choses, secteur cannabis, on voit HMMJ qui a l'air d'être en début de cycle haussier. OK? C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est 2-3 cas particuliers. C'est pas weed, c'est bien clair. Regardez, là. Il a fait 2-3 jours qu'il fait une tentative de passer son 33$. J'ai donné le coup d'envoi ce matin. Je l'ai dit, c'est 33$ et 20. Pas avant le point d'entrée là-dessus. Est-ce que c'est ACB? Non, c'est pas ACB. Tu sais, regarde, je vois pas de cycle haussier là-dedans. Est-ce que, bon, ça c'est New York. C'est Afria qui est plus fort que les autres, qui a monté pas mal pendant 2 jours, puis que là, il est rendu à un gros point de saturation. C'est risqué pas mal d'entrer à ce niveau-là. Regardez la grosse résistance qu'il y a là. Donc, après une petite pause, puis un nouveau décollage, on sera en cycle haussier. Puis c'est le même cas pour Weed, exemple. OK? Regardez tous ces stocks-là. Là. On est au point d'inversement. Donc, on a eu un petit cycle haussier. Il y avait eu un peu de day trading à faire là-dedans. Et puis là, bon, on est à la croisée des chemins. Donc, Weed serait une triple résistance traversée s'il passait à 33$ et quart. ACB, c'est le plus poche de la gang. On s'en occupe pas. Afria, lui aussi, est à ce niveau-là. Il devrait se reposer là puis redécoller par après. OK? Donc, ça va ressembler à
Ça va ressembler à 8 piastres, 8,60 à peu près, son point de décollage. Tilray, on s'entend que c'est pas un gros char. Il n'est pas décollé lui non plus. Il avait fait un gros cycle ici, mais il s'est complètement dégonflé. C'est Village Farm qui a été bien fort hier sur ses résultats financiers, qui a aidé HMMJ à monter une des deux journées. Puis après ça, on a Kronos aussi, qui a débuté un cycle aussi sur un petit volume. Il n'y en a pas 100 000. Ça, c'est le même. Ça fria en anglais. Puis ça, c'est Kronos aussi. De l'autre, c'est les deux pareils. Il faut en compter deux. Là. Ils sont sur deux bourses, mais c'est le même stock. Puis là, ben, quand on regarde les autres, encore une fois, le même Village Farm, mais donc, c'est Village Farm, c'est Afria, puis c'est Kronos. Là. C'est trois stocks qui ont donné leurs signaux, mais c'est pas le secteur cannabis en entier. Puis là, ben, ce signal-là, à mon avis, il est déjà... il va choquer déjà. Achat hier, c'est 19,93. Bien, tiens, on va parler du secteur, OK? La même chose sur toutes les airlines, c'est pareil, qu'ils soient canadiennes ou américaines. On a eu un petit rebond à cause de l'histoire des vaccins qui donne une perspective de regain de l'économie aux gens, là. Ça fait que, regarde, on va remettre ça sur une plus longue distance. Regarde, ça, c'était le mouvement des derniers jours. On ne voit pas la résistance. Je vais aller chercher plus de données. Bon, il est pas mal plus loin que ça. OK, on va aller en 15 d'abord. Bon, OK. Donc, on est là à la résistance, même en bas de ça. Et puis, sur l'indice. Donc, Transat a fait un petit jump, il est resté là. Air Canada, il a fait un petit jump, il est resté là. Ça fait que, regarde, c'est vraiment très peu comme engagé. On n'est pas loin. Mais, tu sais, regardez le gros niveau de résistance qu'il y a là. OK? Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas trop s'empresser pour embarquer, de se faire pogner dans un faux signal. Là. Quand ça va être solide, là, on va le voir. Là, regarde, ça va passer. Ça, c'est American Airlines. C'est pas passé. Ce qu'on fait là, on l'a vu de maintes et maintes fois depuis plusieurs mois. Regarde, Delta, il a monté un peu plus, mais il est pogné à sa résistance aussi. Donc, du côté des airlines, là, c'est le prochain mouvement. À mon avis, celui-là n'est pas assez fort et pas assez crédible. Ensuite, si on va regarder les recreational, ça va être semblable. Oh, ben ça, c'est pas ceux-là. Ça, c'est Moderna, sont ici. Bon, voyez, les recreational aussi, ils ont fait un jump, ils n'ont pas donné suite. Puis partout sur le marché, la grosse majorité des indices, on est suracheté, ce qui indique qu'il n'y a plus d'acheteurs. Ça fait que, regarde, le recreational, les bateaux, là, ils ont donné un petit coup, OK, Carnival, mais regarde, son pogné là. OK? Fait que pour l'instant, là, pas mon livre à moi, c'est pas décollé, c'est pas encore en cycle haussier. Il ressemble tout à ça, du premier au dernier. Après ça, plus loin, on a le gaming, qui est des affaires de Las Vegas ici aussi. Regarde, on est-tu vraiment dans une nouvelle tendance ou comme les autres secteurs, on est juste accroché là? Tout ça, c'était de l'espoir. Moi, je pense que c'était juste de l'espoir. Du côté des titres électriques, ça bouge beaucoup. Là, aussi, Tesla a remonté sur toutes les nouvelles qu'il y avait dessus. Mais il y en a d'autres qui sont moins fun. Là. Il y en a qui ont été bien bons, comme NIO, mais il n'est plus dans une bonne circonstance. Là. Il est complètement saturé. Ils auront beau lancer des bonnes nouvelles dessus, puis de monter les prix cibles, puis tout, mais il y a une crime de limite à penser qu'on va continuer un cycle comme ça, dans une tendance comme ça. Fait que là, c'est vraiment pas le bon temps. Il n'est pas bien, bien hot, ni en day trading, ni en swing trading, dans le moment NIO. OK? XPEG, qui est pareil, l'autre compagnie d'auto électrique. Regarde, on s'en va dans une formation neutre, là. Donc, c'est le calme plat, là, du côté de ceux-là, là, qui avaient beaucoup monté. Regarde, LI aussi est complètement dans une phase neutre. Là, aujourd'hui, c'est Arcimoto. Arcimoto qui est sur un nouveau haut, qui vient tout juste de le faire à part de ça, il y a quelques minutes, FUV. Puis regardez, il y en a plein d'autres. AY Aero, il va être intéressant s'il traverse cette résistance-là. Je pense qu'il va le faire puisque, regarde, tous les supports sont plus hauts. L'angle de la tendance est parfaitement correct. Le prochain point d'entrée pour AY Aero, c'est 4,40 $.
Candy, ben, ça a été le plus fort des derniers jours. Hier, il était super le fun en day trade. Il a fait 8 piastres et quart, 10 piastres et quart. Écoute, c'est 20 % dans sa journée. Mais là, il est accroché à cette résistance-là. Il faudra s'assurer qu'il va passer ça. Puis, embarquez pas là-dedans en swing trading. Là, il y a bien trop de fait dans ce cycle-là. Par contre, en day trading, passer 11 piastres et demi avec un graphique en une minute puis un volume de 200 000, on est bon pour une petite go. Peut-être même aller jusqu'à une piastre. Là, j'ai fait le tour, OK, d'un petit peu aussi de ces stocks-là. Puis il y en a d'autres, là, que hier, on avait Solo, puis aujourd'hui aussi, il n'était pas pire en day trade. Il a fait un beau mouvement ici ce matin après l'ouverture. On l'avait dans nos day trades. Il y a Nicolas qui est en train de se réveiller aussi à suivre dans l'après-midi avec un signal en haut de 25,75 pour avoir encore un autre bon day trade-là. WHKS lui a recommencé hier à faire ces mouvements-là, puis il y en a quand même... Oui? Ouais, pour Nicolas, j'ai des nouvelles, en fait. Nicolas, c'est lié au fait que l'accord avec GM pour la production du Badger, qui est leur camion, il a été confirmé aujourd'hui sur le site de Nicolas. C'est quoi qui a été confirmé? Le deal avec GM... Le deal avec GM. OK. Ils ont confirmé leur deal avec GM pour aujourd'hui. C'était en suspens. OK. Oui, c'était en suspens à cause des petites magouilles qu'il y avait eues. Bon, là, ils l'ont authentifié, mais en tout cas, il s'est arrêté bien à sa résistance. C'est pour ça que je dis, regarde, 26$, point d'entrée pour ça. Merci, Fabien. Achat CAN Nasdaq février 2020. OK. Ça fait un bout, ça. CAN, qui on avait dans nos day trades dans les derniers jours parce qu'il allait très bien, mais aujourd'hui, il a complètement viré de bord. On voit ici le mouvement qu'il avait fait, donc avant hier, puis là, regardez, là, oups, ça sent pas bon, un signal de sortie à 3 piastres, et pour rembarquer là-dedans, il faudrait s'assurer qu'il va vraiment virer de bord, là, parce qu'il pourrait revenir toucher à sa ligne de tendance qui est ici. Donc, je vais le recommencer. Il pourrait venir chercher sa ligne de tendance qui est là, donc avec un peu de correction. Fait que là, il faudrait attendre que ça s'inverse. Je suis pas sûr, là, mais ça va ressembler à je sais pas trop quoi. Vous avez payé combien à 8,15? Aïe, aïe. Ça fait longtemps, ça, d'abord. C'est quand? En 2020? Ah oui, oh, tableau. Oh, ici. OK, c'est à peu près la seule place qui était à 8,20. C'était là en février, comme vous avez dit. Oui, en février 2020. Et titi. Bon. Ce qui joue en votre faveur, là, c'est qu'il vient de faire les plus gros volumes de l'année, puis il vient d'inverser sa tendance, ici, et sa résistance qui était là. Donc, tant qu'avoir attendu jusque-là, je pense qu'il vous est permis maintenant d'avoir de l'espoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Traitement de données, ça ne dit pas grand-chose, mais il était très, très, très actif il y a 2 jours. En tout cas, il a l'air bien mieux aujourd'hui qu'il l'était. Parce que moi, vous n'avez pas vendu tout ce temps-là. Je ne vous dirai pas de vendre aujourd'hui si tombe en bas de 3,10 $. Vous êtes allé à 2,30 $ avec. Moi, je pense qu'il faut se fier à la tendance qui est là. Achat d'un anneau. Nano One Material, regarde, quand il sortira de sa tendance, ce qui est chose qui n'est pas faite encore, là, il faudrait qu'il sorte de sa tendance, puis qu'après, il vienne inverser sa résistance ici. Donc, il faudrait qu'il remonte, se stabiliser en dessous de 3,10 $, puis décoller à 3,20 $. Ce serait environ son point d'entrée. Analyser Cenovus, UNS, CVE. Bon, c'est comme tous les stocks qui ont monté dans les derniers jours. Ça fait c'est sa quatrième journée à la hausse depuis son support. Il reste peut-être 25 cents de potentiel à la hausse. Je pense pas que ça vaut la peine. Comme tous les titres pétroliers, moi, je dis attendez la fin de la pause qu'on va faire là, puis au début du prochain mouvement, ce sera plus safe que du côté des pétrolières. Et puis UNS,
UNS et Unicelec. Lui aussi, ça fait 3 jours qu'il monte. Ça fait même presque 4 jours qu'il monte. Puis il est rendu à sa résistance. Il ne traversera pas cette résistance-là dans ce cycle-là. Donc, il va faire une pause avant de traverser ça. Les acheteurs ont arrêté là. Ils vont encore arrêter là. Après une pause, lorsqu'il redécollera, plutôt vers les 9,35, 9,40, ce sera le temps. Michel, j'ai répondu à ça pour CVE. On ne répondra pas deux fois. Qu'est-ce que je pense de CUF.UN? Conimar. Bon, Conimar, regarde, il a inversé sa tendance et sa résistance ici à 7,75. Il est venu donner un autre signal ici à 8,90. Là, il monte encore, tranquillement, là. Tu sais, il est positif parce que ses creux sont tous plus bas quand vous le regardez ici comme ça, là. Mais il est définitivement coincé un peu ici, OK? Ça fait que si vous n'êtes pas dedans, je n'embarquerai pas dedans, à moins qu'il passe vers 9 piastres et quart. Et puis, parce que là, il va être bien difficile à traverser ce point-là, vous voyez, c'est son point le plus haut depuis le début de la COVID. Donc, dans le rebond, il a arrêté là, puis là encore. Ça fait que ça, c'est bien, bien important qu'on fasse une pause et qu'on traverse solidement ici. Fait que 9 et quart, c'est même très poli. Ouais, 9, 30, 35, 40, parce qu'il y a une pièce entre chaque échelle. Il ne faut pas l'embarquer trop mal, trop tôt, je veux dire. Hive a acheté 48 cents, OK, il a tout drivé les blockchains, puis aujourd'hui, les blockchains, là, ils commencent à plafonner tout le monde. Donc, BTCU, le Bitcoin, il est toujours de côté, il ne bouge pas. Marathon, il a dépassé sa tendance, mais il est revenu, il a dépassé sa résistance, mais il est revenu à l'intérieur de sa résistance. C'était sa résistance était là. On la voit pas, là, mais plus loin, elle est là. Là, on le voit ici, là, est à 3 piastres et 23. Le titre est allé à 3,40, mais il est revenu en dessous de sa résistance. C'est pour ça que je pense que ce cycle-là, il est terminé. Riot nous montre qu'il est terminé parce qu'on va passer toute la journée à l'intérieur de la cote d'hier. Donc, dans le haut de la cote d'hier, mais ça fait rien. Ça montre la fin de ce cycle-là pour l'instant. Et puis Hive, lui, qui est encore en hausse, si les autres ne continuent pas, je ne pense pas qu'il va continuer, lui non plus. Ça fait qu'à mon avis, c'est une fin de cycle partout sur le secteur. OPS Toronto payé 1,02 piastres. OK, il vaut 98 cents. C'est pas le genre de titre qui m'attire vraiment, parce que c'est un titre qui fait pas beaucoup de volume. Là, de toute évidence, son cycle est terminé. Puis en plus, regarde pourquoi il est terminé. C'est qu'il a atteint un niveau de résistance très important de 2018, 2019, puis actuel. Donc, on le voit très bien ici. Donc, fin de ce cycle-là, il va se stabiliser ici en dessous d'une pièce et 9, puis il va redevenir en état de grâce quand il va décoller à une pièce et 15, une pièce et 17. En attendant, je ne sais pas qu'est-ce que vous devriez faire avec ça. Son cycle est terminé, il a fait l'aller-retour, il est rendu neutre, le cycle. Puis, en principe, à 85 cents, 92 cents, c'est un point de vente. Techniquement parlant, à court terme, ce serait un point de vente. Est-il temps d'investir dans les pharmaceutiques ou si le marché est trop cher? Oh boy, ça, c'est une grosse question, là. De demander le secteur des pharmaceutiques au complet, là. Ça dépend. Ils sont pas tous pareils, les pharmaceutiques, là. Il y a de la grosse différence entre une puis l'autre. Il y a des biotech, puis il y a des pharmaceutiques, mais je m'excuse, astuce, mais en plein milieu d'un show de monde, me demander un sous-secteur bien, bien précis de même, là, je suis pas prêt pour faire ça, puis ça va me prendre 5 minutes avant de m'organiser. AEM, si me demander 2 titres en particulier dans le secteur, ça aurait été plus facile. AEM. Agnico Eagle. Support atteint, détient pas le titre. Non, pas support atteint, support traversé plutôt. Tendance inversée, support traversé, ça regarde pas bien. Il faut attendre de voir où c'est que ça va arrêter, on n'embarque pas là-dedans.
Je regarde acheter Guru, qu'en penses-tu? Sur New York. Pas grand-chose. J'en pense pas grand-chose. C'est pas un titre, c'est pas faible. C'est un fonds que je sais pas, il est sur quoi. Puis c'est quand même sur le haut de son couloir haussier, bien clairement. C'est habituellement pas un bon point d'acheter lorsqu'on touche le haut de la tendance haussière, parce que normalement, dans les prochains une semaine ou deux, il devrait revenir bien plus proche de 39,5, 40, mettons, que le prix actuel de 42 pièces et quart, parce que il devrait subir une correction naturelle à partir de là. C'est drôle, deux fois, deux personnes, c'était-tu le même? OK, c'était Claude, Claude, puis Claude, OK. UNS, j'en ai pas, je l'ai faite. Quelle est la différence entre une action ordinaire et une action .un? Que veut dire le .un? J'avais eu .un, ça veut dire une unité, là, mais les .un, ce sont des titres avec des genres de dividendes spéciaux. Donc, vous achetez le stock, mais à toutes les certaines périodes, et ils vous donnent un certain montant. C'est ça, la différence entre un point UN. C'est un fond, dans le fond. Tu sais. CP, CP, ça ne bouge pas pour l'instant. Le secteur industriel est complètement plat, à plat. Bon, CP, il a monté une pinotte par-dessus ça. CN, lui, pas du tout. Ça fait que... Puis CP, c'est la même chose. Il est sur le top de son couloir haussier. Ça fait que techniquement parlant, c'est jamais une bonne idée d'acheter sur le top d'un couloir haussier comme ça. Regardez, toujours 90 % du temps, le titre revient à sa tendance. Donc, à moins qu'il fasse une base solide à ce top-là puis qu'il décolle en haut de ça pour changer le couloir haussier, moi, je présente qu'il est supposé se corriger dans les prochains jours. 2000 Afria payé 7,15. Là, il vaut 8,45 environ, donc, puis on est vraiment proche d'un, il me semble qu'on est à côté sur le support, la résistance plutôt. Moi, je dropperais la moitié de la position maintenant, fait que 7,15 à 8,5, ça fait 1,35 $, donc il vous coûterait 6, même 5,80 quelque, en tout cas, regarde, il vous, 7, 7, ça, c'est votre prix de revient. OK? 7,15. Puis là, vous faites 1,35 $. Donc, 7,15 moins 1 $, ça fait 6,15 moins 15 cents, ça fait 6, puis ça fait 5,85 à peu près votre prix de revient si vous vendez maintenant. Vous n'avez plus aucune chance de vous rendre là, parce qu'après avoir vendu là, la moitié de votre position là, à ce prix-là, après ça, vous mettez un stop au prix payé. Vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent là-dedans parce qu'au prix payé, la première portion va rester dans vos poches. Est-ce qu'il y aura un autre point pour sortir plus avant que ça? Oui. Tiens, on va le mettre en 10 minutes ici. Au moment où il se mettra à inverser, donc ça pourrait, au lieu d'être 7,15, ça pourrait être facilement 7,80 en dessous de ce support-là parce que le titre serait revenu neutre. Puis après ça, il inverserait sa tendance et son support. Donc, ce serait un signal de vente ici. Donc, je vendrais la moitié maintenant. Je mettrais un stop à 7,85. Point d'entrée pour Good. Bon, il va être Good. Il va être Good. C'est-tu le bon Good que j'ai là, moi, là? Parce qu'il y en a peut-être deux. C'est-tu Good? Y a-t-il un Good au Canada? Non. Donc, c'est vraiment US. Il y en a qui font... Voyons. Il y en a qui font souvent l'erreur du symbole good, good avec le titre good food. C'est ça. Donc, si c'est bien lui et non pas good food, parce que good food, le symbole, c'est food, moi, je vois aucun intérêt whatsoever dans cette compagnie-là. Tendance baissière all the way, immense résistance ici à 19 $. Puis même s'il passait à 20, bien, il y aurait 10 % de potentiel. Mais avant qu'il traverse sa résistance et sa tendance de 19 $ et demi, on ne toucherait pas à ça. Shop support atteint.
dans la technologie, on a un support, puis Shop, ben, c'est lui le secteur de la technologie, là, dans le fond. Tiens, il est ici, regardez le secteur, je vais vous montrer l'indice de la techno, puis Shop. L'indice de la techno, Shop. Trouvez-vous que ça se ressemble pas mal, hein? Ça fait que, donc, Shopify, il est sur un support, oui. Il n'a pas inversé sa tendance ni sa résistance, chose qui se ferait aux alentours de 1300. On va confirmer ça ici. Ben, même avant ça, là, il y aurait 1225-1255 avant, mais la vraie résistance, là, c'est passé 1255. En avant, ça, en attendant, ce serait juste un petit trade. C'est le temps d'embarquer dans CAE, à mon avis, trop cher. Il a monté pareil comme toutes les autres. Puis après, regarde, même que son dernier breakout, ici, il a avorté. Donc, ça, on l'oublie. Ça devait être sur un résultat quelconque. Donc, il y a un gros niveau de résistance à ce niveau-ci. Donc, les acheteurs ont arrêté là au mois de juin. Puis, ils ont encore arrêté là. OK? Un petit peu plus haut, mais regarde, on ne va pas s'ostiner pour 25 cents. Donc, sa phase neutre est là. Puis là, ça va être fatigant s'il repasse là. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde, il a fait une grosse hausse une journée, le lendemain matin, pataf, bang, il est tombé là. Donc, techniquement parlant, il y aurait peut-être une 5 % de 30 piastres et des poussières à 31,5. Une pièce et demie sur 30 piastres, c'est 5 %. C'est tout ce qu'il y aurait en perspective à très court terme. HNU, bon, HNU, c'est le gaz. HNU va faire exactement la même chose que UNG. HNU, es-tu dans cette liste-là? Non. Attends un peu. Insert HNU, Toronto. On va le prendre, puis on va le mettre à côté du gaz. HNU, il marche avec UNG, OK? Donc, c'est tous les deux pareils. Donc, HNU, UNG. Regarde, c'est des copies conformes, c'est juste pas le même prix, OK? C'est celui-là, c'est ça la valeur de référence, puis c'est ça HNU qui bouge par rapport. Là, acheter ça, ce serait un achat sur support, OK? Regarde, c'est tout un support. C'est le support de l'année. Mais attention, il y en a déjà brisé des supports de même. Ça fait longtemps que j'en parle du gaz. J'arrête pas de dire à tout le monde, du gaz, il y en a sur la planète à pas savoir quoi en faire. Il en brûle des millions et des millions de pieds cubes par jour, là, de mètres cubes par jour. Mélange ça avec la vapeur, puis on met ça dans l'atmosphère. Parce qu'oubliez pas que partout où il y a du pétrole, au-dessus du pétrole, c'est du gaz. Ça fait que, parce que du pétrole, ça fait toujours des émanations. Fait que donc, des émanations, c'est le gaz. La portion gazeuse, ça, c'est le gaz, c'est le gaz. Puis la portion huile, c'est l'huile. Ça fait que, donc, le plus drôle, c'est quand ils appellent ça gaz naturel. Bien, tant que ça, on pourrait appeler ça de l'essence naturelle. Ça a été fait à partir des arbres décomposés dans la terre. OK. Ça fait que, regarde, ici, vous avez deux choix. Vous achetez sur support, mais si vous achetez là, faut vendre si ça flanche en bas de ça. Mais, vous voyez, j'aurais aimé le voir bien plus solide que ça. Il a inversé sa tendance. Y a-tu vraiment inversé sa résistance? C'était borderline en tabarouette. OK? Moi, je mettrais le point d'entrée pas avant 8,70. Puis, dans un objectif de jouer le cycle jusqu'au rebond de 10,40, qui est juste là, là. C'est pas grand-chose, mais 8,90-40, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Mais pensez-y, par exemple. Si vous achetez à ce prix-là, à 8 piastres, c'est un signal de vente. Donc, vous avez 40 cents de risque. ATA. Bon, 3 jours de fête là-dedans. Presque rendu à sa résistance. Plus de potentiel. Pétrole, la décision de l'OPEP de prolonger la coupe de 7,7 milliards jusqu'en juillet. Bon, moi, c'est drôle, on m'a dit juin un matin, moi j'avais entendu juillet hier aussi. Ben moi j'avais entendu juin. Puis ce matin, Fabien m'a dit janvier. Moi, j'ai entendu et vu juin hier, puis là, vous me dites juillet. Ben, c'est dur de savoir. Doit se prendre lors de la réunion du 30 novembre prochain. Ben, apparemment, ils ont décidé ça hier. Donc, hier, ils ont déjà décidé de prolonger jusqu'en janvier, d'après ce que je sais. Donc, s'il n'y a pas d'autres nouvelles négatives sur l'économie, le pétrole et les titres pétroliers devaient se maintenir et augmenter pour les 10 prochains jours. Ah oui, vous voulez jouer ça comme ça? Ben, faites-le. Faites-le. Moi, je vais rester technique.
on fait une autre petite pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Bon, on parlait du pétrole, là. Écoute, moi, si vous voulez vous baser sur la décision future de l'OPEP en pensant que vous, assis dans votre salon, là, vous savez que l'OPEP vont faire ou ne pas faire ça, ben, vous êtes meilleur que moi. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis ça, l'affaire, puis combien de fois c'est arrivé qu'ils étaient sondés de faire ça, puis ils n'ont pas fait ça, puis tatati tatata, puis regarde, pour moi, ça demeure purement technique. Puis regarde, le gaz, il est en bas. Le pétrole, il est acheté aussi, mais le pétrole aussi, il est en bas. Là. Le pétrole, puis il vaut 42$ le baril. Là, ils peuvent même pas l'augmenter. Moi, je vous le dis comment ça va se passer. Je travaillais dans une pétrolière avant, là, OK? J'ai travaillé pendant 6 ans, 7 ans pour Imperial Oil. Puis j'ai travaillé à Edmonton, j'ai été dans un champ pétrolifère, j'ai été à Cold Lake, j'en ai vu des affaires. Puis on parlait du pétrole à la journée longue. Chose certaine, là, avec la demande au prix allé, le pétrole est à 42$, là. Tu sais? Il est bas. Pourquoi il est bas? C'est parce que s'ils ne maintiennent pas les coupes du pétrole, le pétrole va tomber. Parce que s'il augmente la production avant que la demande, elle, augmente, là, le prix va tomber. Ça fait qu'ils ne peuvent pas. Fait que là, ils jouent sur des œufs. Puis là, ils disent, on ne sait pas, ça va être janvier, ça va être juin, ça va être juillet. Ça fait longtemps qu'ils reportent ça. De toute façon, hein, c'est pas la première fois. Là, ils les ont reporté une couple de fois. Ça fait que... Donc, qu'est-ce qui arrive s'il augmente la production? Bon, les compagnies vont pouvoir en produire plus puis en vendre plus. Moi, mais le prix va baisser. Donc, ça va lui coûter plus cher. Ils vont en produire plus pour ne pas faire plus d'argent. Tu sais, il y a 42$, pas tout le monde fait bien de l'argent. Là. On comprend que le pétrole canadien coûte en bas de 10$ le baril, là, mais tu sais, le pétrole canadien, c'est de la scrap. Là. Quand tu runs du pétrole canadien dans ta raffinerie, ça coûte cher en crime. Le pétrole, il coûte moins cher, mais ça coûte cher parce que ce pétrole-là, il est plein d'H2S, il est plein de soufre, il est plein de sel, il est plein de toutes sortes de cochonneries que tu voudras. Avant, il était plein de sable. Puis, une fois qu'ils ont enlevé le sable, il reste tout le reste de la cochonnerie qu'il y a dedans. Fait que le pétrole canadien demande beaucoup de traitement, et puis ça encrasse une raffinerie, là, OK? C'est pareil comme ceux qui ont des industries, puis qui brûlent du charbon sale, qu'on appelle. Parce que notre pétrole, c'est du pétrole sale. Puis il y a du charbon sale aussi. Il y a du charbon qui produit énormément plus que de particules et tout ce que vous voudrez que d'autres. Ça fait que le pétrole canadien n'est pas une référence, c'est le pétrole mondial, le pétrole vénézuélien, puis le pétrole américain, puis le pétrole du Mexique, puis tout ça, c'est bien plus des références. Ça fait que, moi, je dirais que, regarde, ça, c'est les pétrolières, puis regarde, on a déjà été plus haut que ça, même après la COVID, OK? Puis là, ben, on est juste... même pas revenu au prix qu'on était en haut, puis encore bien moins au prix de juin. Puis regarde, ça, c'est une énorme résistance qu'il y a ici. Ça fait que là, c'est juste du très, très, très court terme. Oh, est-ce qu'il peut redescendre plus bas? Bon, les chances sont assez faibles. OK, les chances sont assez faibles. Est-ce que c'est vraiment un beau signal technique? Non. Parce que, il y en a eu quelques-uns. Quand c'est sur des bons supports comme ça, j'ai toujours dit la même chose. Vous voulez acheter sur le support? Achetez sur le support. Il faudra vendre si ça redescend. Bon, ça a monté. Il y a eu le temps de prendre des profits. Puis la deuxième vague d'acheteurs n'est pas arrivée. Dans mon livre à moi, elle n'est pas arrivée. Que penses-tu de BPY.UN? BPY.UN.
Il reste encore, attendez un petit peu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ah, crime. Oh, il m'en reste comme 40 questions. OK, j'enlève la barre de questions, là, parce que... Je n'aurai pas le temps de répondre à tout ça, parce que le show, je pense que le plus loin que je peux aller, c'est 13h15. Puis, Luc, NOU ce matin, 5000 à 94. Oh, tabarlouche. NOU. Aïe, aïe. Oh, ça, c'est téméraire, Pierre-Luc. Acheter du NOU, il faut vraiment que vous l'aimez. Moi, je l'aime bien, la compagnie aussi. Puis, le président, c'est un chic type. Là. C'est la dernière affaire que j'aurais faite. La dernière affaire que j'aurais faite, réellement. Là. Regarde, c'est un... Puis, je dis pas qu'il peut pas monter encore, mais écoute, il y a un stock sur 1000 qui va monter plus que ça. Là. C'est une pente à 70 degrés. C'est déjà extraordinaire ce qu'il a fait. Puis là, ben, il nous montre qu'il est dans une phase neutre. Là. OK? Bien, je comprends. C'est bien beau leur affaire. C'est bien le fun aussi. Belle entreprise, bien située. Bravo pour Saint-Michel-des-Saints et tout, mais il y a un temps technique pour embarquer dans les affaires, puis il y a un temps pour pas embarquer, puis ça, c'est le temps pour pas embarquer, à mon avis. Évaluation de SPCE. Si vous avez trop de danger de vous faire prendre dans une correction rapide pour quelque raison que ce soit. Je l'avais dans mes day trades, attends un peu. Il est là, tiens, justement. Bon, vous voyez, là, il est en feu dans le moment, le SPCE. Il vient de faire un mouvement. Il a inversé sa tendance. Puis là, il se prépare à inverser sa résistance. Mais on veut qu'il fasse une très bonne pause ici, là. Donc, regardez, on va mettre ça dans un 15 secondes. On sait que sa résistance, c'est elle. Puis sa tendance, c'est elle, OK? Puis là, je perds de la perspective. Mais ce que j'essaie de gagner, c'est le point qui me permet de voir où est-ce qui est mon point d'entrée. Okay? Donc, on a passé un petit peu à travers la résistance ici, mais malheureusement, je trouve que le volume n'était pas au rendez-vous. Donc, je trouve que ce dernier signal-là ici n'était pas super bon. Okay? Puis, j'ai un petit hic à propos de SPCE. Là. Regarde, je vais aller vous le montrer. Est-ce que je le vois dans un graphique en 30 minutes ici? Ouais. J'ai montré ça ce matin. Okay? Donc, c'est un point assez important, ça. C'est une grosse résistance. Fait qu'on va regarder dans le graphique quotidien SPCE. Hey, SPCE. Je paye sur deux touches en même temps. C'est ça quand on a des gros doigts. Bon. Fait que vous voyez, sa résistance est ici. Donc, il a déjà atteint ça. Les acheteurs vont arrêter, là. Surtout, regarde, les volumes qu'on a, là, sont pas hors normes, là, ordinaires, OK? Fait que pour moi, ça va s'arrêter là. Le top est à 24 et 30. Moi, je dirais, laissez-les s'arrêter à l'endroit là, OK? Je serais bien surpris qu'il passerait ça. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi comme prix, là-bas? Ici, c'était... 24,40, puis là, il était 23,75. Bon, OK, avant d'atteindre sa longue résistance qu'on voit pas dans le graphique ici, là, c'est 50 cents. Mais donc, à partir de 23,80-90 jusqu'à 24,5, il y a à peu près 50 cents, OK? Donc, je trouve que le risque est pas mal difficile. Quoi qu'il en soit, on peut bien se braquer sur un graphique à beaucoup plus court. Là, vous voyez qu'il vient de faire un gros cycle sur des énormes volumes. Donc, on a absolument besoin d'une pause sur le titre, puis un nouveau décollage. Mais moi, je conseille en day trade seulement. OK? Parce que, à mon avis, à ce prix-là, voyons, je suis sûr que je n'ai pas la bonne affaire. Ah, tiens, comme ça. Ça a décollé bien raide, là, OK? Donc, on a eu un signal ici, un autre signal là, puis là, il n'y en a plus rendu ici, là, OK? Donc là, c'est bien important que le volume reprenne aussi fort quand il va traverser ça, parce qu'on sait qu'il y a des résistances à court terme. Donc, 23 et
80, je dirais, le point d'entrée. Mais le plus important de tout, c'est que dans, là, j'ai un graphique en 5 secondes. Donc, ça y prend du 15 000 et plus dans un 5 secondes en même temps qu'il traverse. Puis même si vous voulez, vous pouvez le regarder dans un 10 secondes. Puis là, à ce moment-là, regarde, ça va être même plus que ça. Ça va être 25 000 à 30 000, mais 23,80 seulement. Moi, je pense qu'on s'en va ici. Des fois, c'est long de répondre, hein? Canadian Tire. Bien arrêté là. Bien arrêté là. C'est une méga résistance pour Canadian Tire à ce niveau-là. Son potentiel est jusqu'à 1,78, il vaut 1,61, donc à 10-15 piastres, à peu près 7-8% jusqu'à son sommet. Mais encore faudrait-il qu'il vienne traverser ça pour qu'il soit intéressant. Donc c'est 162 piastres et quart, 162 piastres et demi avec 4 piastres de potentiel. C'est ça qu'on a pour l'instant. J'ai vendu TJX 64 piastres et 10 TJX. Oh! Aïe, aïe, OK. Vous l'avez vendu à cause qu'il a atteint sa résistance, donc vous essayez de pogner une correction. Vous êtes dedans jusqu'à date, là? $64.10. C'est pas loin de là, ça. $64.10, c'est là. Donc, vous l'avez vendu à découvert ici. Puis là, ben, je pense que vous devez mettre votre achat au prix payé. Puis le premier profit, ben, ce serait comme à. Écoute, 6. Oups, oui. Ouais, je t'interromps une petite seconde pour te dire que Google vient d'annoncer une nouvelle importante. Ils vont chasser sur le territoire des banques qui viennent d'annoncer qu'ils permettaient via Google Pay l'ouverture d'un compte, un compte bancaire. On va aller sur Google. Google, il est là. En tout cas, Google ne réagit pas du tout à ça. Comment tu dis, ils vont embarquer dans le marché des banques en faisant quoi? Ben, en fait, ils vont permettre à leurs utilisateurs de Google Play, de Google Pay, de créer un compte bancaire et puis d'utiliser une carte bancaire, mais directement celle de Google, en fait. OK. Donc, ils vont créer une carte de crédit Google pour utiliser Google Play. Genre. C'est un partenariat avec une autre banque, mais ça va être un compte bancaire Google. OK. Ben, regarde, à date, ça n'a aucune influence sur le titre. Merci pour l'information. Et pour OPEP aussi, j'ai une précision. Et la réunion, elle va se tenir le 30 novembre. Et en fait, la date de janvier, c'était la date qui était initialement prévue pour faire le changement et augmenter les quotas. Donc, le 30, ils vont peut-être annoncer une augmentation qui va être reportée à plus tard. OK. Donc, la date, c'était le 1er janvier où, possiblement, il aurait pu diminuer le nombre de coupures. Mais là, ils disent que le 30 novembre, l'OPEP va prendre la décision sur combien puis quand. OK. Donc, ça, c'est, dans le fond, c'est tout reporté au 30 novembre, cette affaire-là. OK. Merci. Là, on a Nasdaq qui menace de traverser son support. Tesla, sa ride, bon, il a fait une belle ride, mais là, elle est terminée. La plupart des autres sont pas si beaux que ça. Il y a Qualcomm qui a pas mal monté, mais dans le moment, là, ils ont l'air vouloir s'en venir en correction. Donc, c'est ce que le Nasdaq fait d'ailleurs, va inverser son support. Je pense qu'on pourrait même revenir négatif encore sur Nasdaq aujourd'hui. Le DOR, on a presque tout reperdu. Le SPY, on est rendu à zéro. Le TSX est en train de redescendre. Donc, vous voyez comment c'est pas fort, ce marché-là. Bon, du côté du cannabis, oui, continue à la baisse. Tout reperdu. ACB a tout reperdu. C'est Afria qui reste le plus fort. Mais, puis là, il est vraiment au bout de son élastique, à mon avis. Mais c'est lui qui sauve le secteur. Bon, maintenant, OK, une autre question. Gourou à Toronto, on a fait ça plusieurs fois. Oh, Gourou à Toronto. Oui, Michel, le partenaire de Google, c'est Citibank. Donc là, c'est lui qui augmente pour l'instant. OK.
Le partenaire de Google, c'est Citibank. Fait que ce serait américain CIT. Non, c'est C. C, oui, je l'ai. Je l'ai. OK. OK, mieux de toile. Bon. Ouais, ben, monte pas pour la peine. Monte, mais ils montent aussi. Bon, il n'y a rien, rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. C'est rien qui vaut la peine dans ça. LC, c'est un début. Il n'y a pas grand-chose qui est un début aujourd'hui. Là. On a des affaires qui sont sur la fin plutôt. LC. Lending Club. Ah, lui, c'est un inversement de sa tendance. Il n'y en a pas beaucoup de ça aujourd'hui. L'inversement de sa tendance en quotidien. Il a été très fort ce matin. 1, 2, 3, 4, 5 cycles dans la même tendance. Tout un ride. Mais là, terminus. OK. Est-ce qu'il va aller plus loin que ça? C'est l'avenir qui va nous le dire. Et on regarde ce graphique-là. OK. Landing Club. Là. Bon, il y avait landé. Là. OK. Il y avait atterri. Là. C'est pas le même mot, c'est pas pareil, mais ça se dit pareil. Donc là, on vient d'atteindre, comme vous le voyez, on a traversé un gros niveau de résistance pour en atteindre un autre. Ça fait que là, c'est bien important de ne pas acheter ça avant qu'il traverse clairement. LC sur New York, on va le regarder dans un autre graphique, là. Attends un peu. Je vais mettre ça ici en minute. Qu'est-ce que je pourrais enlever là-dedans? Tiens, une note. Oups. LC. New York. Bon. Donc, son point est là. Si je l'ai emmené là, c'était pour pouvoir analyser et décortiquer ses volumes. Là, je corrige mes volumes ici. On voit ce que ça donne dans la journée. On voit qu'est-ce qu'il a vraiment fait monter. Regarde, il vient d'avoir un beau gros volume. On va le réduire parce qu'on veut voir tous les volumes. Donc, on a eu une vague d'acheteurs ici sur des volumes de même. Une autre vague-là sur ces volumes-là. Une petite ici-là. Une autre là qui a été jusque-là sur ces volumes-là. Donc, on voit la grosseur de volume. Encore une fois, la même chose ici. Donc, il faut qu'on passe clairement... 6,90 dans un graphique en une minute, on veut avoir du volume similaire à ça, hein, du 12 à 15 000 minimum. Ashokan sur Nasdaq, février 2020. Oh, bien ça, on a répondu ça. Pas eu le temps de vendre quand ça a planté, quoi faire, mais j'ai répondu à ça ce matin. C'est une autre personne, mais c'était la même chose. FD, achat 10 et 20, 500 actions Face Drive. 500 actions 10 et 20. Il vaut 14,23. Il est dans une phase neutre après la fin de sa correction. Là. OK. Donc, le titre a inversé sa tendance-là. Et sa résistance est ici. Il vient de la traverser, mais il s'est arrêté tout de suite après l'avoir traversée. Comme vous avez payé 10 et 20, puis le point d'inversement serait de 13, il vous resterait un peu de profit. Par contre, à 14,25, vous voyez, c'est parce qu'il est très, très volatile. Moi, j'irais sur une prise de profit, là, immédiatement. Là, c'est un graphique qui est toujours bizarre parce qu'il ne travaille pas toujours beaucoup. Donc, vous avez payé, comme on disait, 10 et 20, qui est à peu près ici. Ça fait que vous pourriez toujours le garder puis mettre en voulant aller plus loin, si vous n'avez pas beaucoup. Je mettrais un stop à 13,40. S'il y a une pièce de moins, OK, donc vous feriez 500 pièces de moins, là, mais vous permettrez de garder toute la position. Mais il y aura aussi l'éventualité d'en vendre 250 ici puis mettre un stop de 250 là à 13,20. 13,25. Bon, ça, c'est fait. On va peut-être un peu qu'on est rendu. Ça, c'est fait.
Ça, c'est fait. Potentiel brin d'achat, TCL.A. Bon, bien, à côté où qui est là, on va attendre que ça traverse clairement. That's all. Bien simple. Regarde, on est carrément à côté de la résistance. Volume est très faible. Regarde, la résistance est bien évidente. Je mettrais ça 18 et 10. HMMJ parti. Non. Il n'était pas là quand je l'ai montré. OK. Non, non, non. Regarde, HMMJ, il s'en retourne à zéro. Regarde, tout redescend. Là. Il y a juste Afria qui reste sur son top de la journée. Là. Il s'en monte tout dans la dèche encore. Il a eu son petit Viagra du matin, puis après ça, c'était fini. Que penses-tu de GMA sur Venture? J'en pense qu'il est plate en titi. Tiens, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Là. Ça fait 5 ans là, qu'il retourne là, une fois de temps en temps, à 20$. Oui, qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a quelqu'un qui n'est pas muté, là. Bon, regarde, j'en pense rien. J'en pense rien. J'en pense que achetez pas ça. Regarde, vous allez perdre votre temps. Vous allez rester là une éternité. Ça fait 5 ans, il n'a jamais passé 22 cents. BLU, c'est quoi la montée? C'est quoi la question, BLU? Ah, je sais pas, moi. Je ne suis pas branché ces nouvelles à la journée longue, mais dans un scan à Toronto, il aurait été découvrable un matin. 3,5 pièces, il fait 3,5, 4,20. Je ne sais pas c'est quoi. C'est que c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Parce que, regarde, il y a 550 000 de volume, puis ils ont tous été faits à peu près vers 11h30 pendant l'émission. Fait que le prochain point d'entrée, c'est 4,25 $, puis c'est du très, très court terme, on s'entend. Fuel Cell acheté 3,65. BLU, peut-être mes gens, mes messieurs, ils peuvent checker ça, là. BLU, c'est quoi? Fuel Cell. OK. Fuel Cell acheté 3,65. Il vaut 5,38. Vendre 50% ou attendre. Vendre 50% sûr et certain. Écoute, regarde-moi ça. C'est une hausse. En principe, là, il a pratiquement fait 100%. Là. Regarde, il est parti de presque 2,5 $ il y a 3 jours. Puis là, il vaut 5 et 5. Il a monté de 100%. Juste aujourd'hui, il y a 30,5 %. On va dire que, oui, il y a encore du potentiel. On le voit ici, dans son graphique. Bon, il n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Il y a tellement de chances pour que le titre reparte en correction. Moi, je vendrais 50 % maintenant. Bon, j'ai tout fait ça, le secteur ND, le secteur pétrolier, SU. Là, ça fait 50 fois qu'on me demande d'analyser ça. Aujourd'hui, je vous le dis, moi, les pétrolières, ils ont monté ce qu'il y avait à monter, puis les 20 stocks qui ont monté pendant 4 jours, c'est fini. Là. Ça, si ça monte, ça va être encore des pinottes. Là. Puis l'autre groupe, il n'est pas encore parti encore, fait que bientôt, après quelques jours de correction, on va peut-être avoir un autre cycle à la hausse. Puis après ça, parce que l'effet est fait, là. Il n'a plus d'effet, là. UNG tapé dans le fond, bon, on espère. c'est jamais certain, mais c'est ce qui apparaît là. C'est pas tout à fait non plus le creux. Là. Le creux est plus loin, il est plus bas que ça. Mais c'est pas loin. Okay? Pour l'instant, ça a l'air d'un creux, mais regardez, la tendance est bien baissière. Ici aussi est bien baissière. Le rebond n'a pas de force. Je pense qu'on peut retourner au creux de 9,25 $ facilement. Ça, j'ai répondu à ça. FTN. Financial Split. OK, regarde, comme toutes les autres qui ont fait ça, là, ça ressemble à toutes les airlines, ça ressemble à toutes les recreational, services diversifiés, mais ils doivent être dans toutes sortes d'affaires. Mais regarde, le signal, bien clairement, là, pas avant qu'il traverse bien clair les 3,60 $. Puis avec un même 65, puis avec un volume qui va bien dépasser ce qu'on a aujourd'hui. Là. C'est un volume de 300-400 000 minimum. Que penses-tu de CDEV? CDEV.
Je pense qu'il est à côté d'une résistance très importante qu'on voit là. Il n'a pas monté là avec des volumes au-dessus de la moyenne. Je pense qu'il va plafonner là, puis c'est le prochain signal qui va être intéressant. Il y a pas mal la grosseur de cycle normal qu'il est capable de faire. En plus de ça, il est complètement dans le haut de son couloir. Il est dû pour une correction parce que les résistances sont bien trop loin pour le voir, mais je pense qu'acheter ça à ce prix-là, c'est pas une bonne idée. Il faut venir ramasser ça plus proche de la ligne de tendance ou après une pause quand il traversera cette résistance-là, parce que ce cycle-là est beaucoup trop avancé. Donc, à t'entendre, il n'y a rien de hot pour Iné. Ouais, trop tôt ou trop tard, il faut quoi faire. Puis, il y a des titres qui montent en fou comme Suncorp. Ben non, arrêtez donc. Vous rêvez tout le monde en couleur, là. Je commence à être tanné de m'en faire parler de celle-là, là. Écoute, là, soyez donc logique, là. OK? Soyez donc logique. Le pétrole n'a pas monté. Le secteur a monté 4 jours grâce à un groupe de 20 stocks. Qui ont été achetés sur le support, si vous avez fait de l'argent. Mais achetez-les aujourd'hui, vous viendrez me dire dans 3 jours que vous avez fait de l'argent, vous allez voir. C'est, ça va s'arrêter là, ce secteur-là. C'est clair. C'est juste parce qu'il y a plusieurs titres qui ont monté comme ça pendant 4 jours. Mais il y a un gros paquet qu'eux autres n'ont pas monté pantoute. Puis ils sont tous arrêtés là, ils sont tous bloqués à leur support. Fait que ce cycle-là, il est fini, puis on verra au prochain cycle. Écoute, c'est la seule affaire qui a monté pendant les derniers jours. Un groupe des services financiers puis un groupe des pétrolières. C'est tout ce qui a bougé. Le restant, c'était des cas d'exception. Et regarde, moi, je réponds aux questions qu'on me pose. Là. Je ne viendrai pas dire au monde, oui, c'est un achat, puis oui, c'est un achat, puis oui, c'est un achat. Je suis la technique by the book. Parlant desquels les deux titres suivants ont le plus de potentiel, Marana ou FE? Ben, regarde, lancez 25 cents dans l'air, puis vous allez avoir votre réponse, Jerry. Ils sont ici. mRNA puis Pfizer. OK. C'est. Les deux titres se battent pour les mêmes vaccins. mRNA a rendu à sa résistance, malgré qu'il a sorti des grosses nouvelles de 94 % de son vaccin. Regarde, il a fait un cycle là-dessus. Ben, pour ça, c'est défini. Regarde, maintenant, il est en correction. Ceux qui ont acheté ça depuis 2 jours perdent de l'argent. Puis Pfizer, regarde, il a remonté de 90 à 92 à 95. Regarde, puis il est en chute pareil. Donc, lequel des deux? Ben moi, ni un ni l'autre, là, regarde, c'est loin d'être passé, ça, cette résistance-là. Et sur mRNA aussi, là, c'est un top, top, top. Donc, on verra à la fin de leur correction qui est-ce qui va performer le mieux, fondamentalement parlant, comme je dis, un ancien 25 cents, c'est aussi bon. Puis, techniquement parlant, ni un ni l'autre. MTY, achat. Il y a même 2 secteurs baissiers en plus aujourd'hui. Il n'y en a pas de haussiers, mais il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a 2 haussiers, les services financiers puis l'énergie. Mais c'est fini. Ça va s'arrêter là. MTY, lui, il rendit une triple résistance. Bon, son côté positif, c'est que ses creux sont tous plus hauts. C'est une formation triangulaire ascendante. C'est appelé à être traversé par en haut, mais encore faut-il attendre que ça se fasse. Avec une triple résistance comme ça, il va se calmer là un petit bout de temps. Fait qu'il va se reposer en dessous de ça. Puis le prochain signal, c'est quand il va passer à 49 piastres et demi. Petra va monter quand les États-Unis vont attaquer l'Iran, selon mon humble opinion. Ça n'arrivera pas, voyons donc. Je crois pas que cela arrivera. Non. Écoute, ce serait vraiment. Puis certainement pas Biden. Pour Biden, n'attaquera pas personne. Il va attaquer ses pantoufles puis sa robe de chambre. C'est tout ce qu'il va attaquer. Pas oublier que c'est un conservateur. Bon, OK. Fait que là, on a répondu à toutes les questions. Il y en avait beaucoup. Ça fait que, regarde, on vous ramène sur les marchés, là. OK? Regarde.
comme ça. Tiens. OK. Si vous voyez quelque chose de haussier ici, là, s'il vous plaît, sonnez-moi une cloche, là. Dites-moi les, là. Parce qu'il n'y a pas de marché haussier ici, là. OK? Puis le d'or, il est revenu à sa résistance, puis ça fait 3 jours qu'il ne fait rien, pantoute. OK? Donc, on n'a pas aucun cycle haussier autre que ceux qui avaient déjà commencé, c'est-à-dire le cycle, pas le gaz, puis pas le pétrole. Les pétrolières, pas le pétrole non plus. Regarde, le pétrole est rendu là, puis ça fait bien des fois qu'on va là. Les titres ont remonté un peu, sont juste venus à leur résistance. Bien, à la même place que le pétrole. C'est les titres pétroliers qui avaient été plus faibles que le pétrole. Les titres pétroliers ont juste fait du catch-up sur le pétrole. Regarde, ils sont revenus au même prix que le pétrole. C'est tout. OK? Regarde, ils sont revenus à la résistance où le pétrole est resté, lui. Les titres sont tombés ici quand le pétrole n'était pas tombé, là. C'est juste ça, la différence. Fait que tous ces titres-là, ils ont fini, puis les autres n'ont pas commencé. Puis du côté des orifères, bien, c'est pas le temps encore, parce que je trouve que c'est, des orifères, c'est bien trop dangereux d'acheter sur le support ici des titres orifères pendant que l'or continue à s'en aller sur son support, des stochastiques négatifs, puis pendant que les titres sont en train de briser leur support. Donc, regarde, ça aurait pu être un achat sur support, je l'ai dit hier, mais je l'ai dit, fallait attendre le service, c'est jamais fait, puis aujourd'hui, c'est en décrochage. Fait que, regarde, on n'a pas, le service financier, c'est la même chose. 3 jours que ça a donné, puis c'est là que ça va s'arrêter, puis il n'y a pas d'autre. Par contre, il y a la consommation de base qui est en décrochage, il y a les services aux collectivités aussi qui sont en décrochage en dessous de leur support, il y a la technologie qui rebondit pas bien, bien, on ne sait pas encore où c'est qu'on va aller. Fait que, regarde, on est entre les deux, puis il faut attendre qu'il y ait des vraies occasions, sinon, ce ne sont que des cas d'exception. Cette semaine, déjà, jusqu'à date, on a eu des journées fantastiques, des mouvements extraordinaires en day trade, mais en swing trade, c'est vraiment tough. Fait que ceux qui pensent qu'on fait rien que manquer le bateau, là, ben c'est eux autres qui ne comprennent pas comment ça marche. Fait que là-dessus, mes amis, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été tout un long show. Ça a pris presque 2 heures, 1h45 de show. Merci d'avoir été là. Je reviens à 14h sur guru.tv pour finir la journée. C'est grand débrouillage, vous êtes encore invités là. Fait que merci beaucoup. À bientôt.